sur votre gauche, vous avez un pont en face, un grand hôtel qui s'appelle la Gueulardière. Vous prenez la route à votre gauche, la route de Carpentras. Vous filez tout le grand cours avec des platanes. Vous le suivez jusqu'au bout, là, vous rencontrez encore un pont. Tu es mon amour depuis tant d'années, mon vertige devant tant d'attentes, que rien ne peut vieillir, froidir, même ce qui attendait notre mort, ou lentement su nous combattre, même ce qui nous est étranger, et mes éclipses et mes retours. Fermé comme un volet de buis, une extrême chance compacte, et notre chaîne de montagne, notre comprimante splendeur. Je dis chance, ô ma martelée. Chacun de nous peut recevoir la part de mystère de l'autre sans en répandre le secret, et la douleur qui vient d'ailleurs trouve enfin sa séparation dans la chair de notre unité, trouve enfin sa route solaire au centre de notre nuée qu'elle déchire et recommence. Je dis chance comme je le sens. Tu as élevé le sommet que devra franchir mon attente quand demain disparaîtra. René Char est avant tout un défenseur. Rien ne peut détruire son amour de l'homme. L'amour, dit-il, est cette sûreté temporaire, trait d'union entre fureur et accalmie. Il y a l'amour de l'homme, il y a aussi l'amour de ce qui entoure l'homme, passion de l'événement, du quotidien, du vécu. Un oiseau chante sur un fil, cette vie simple à fleur de terre. Notre enfer s'en réjouit. Puis le vent commence à souffrir et les étoiles s'anavisent, ô folle de parcourir tant de fatalités profondes. Les inventeurs. Ils sont venus, les forestiers de l'autre versant, les inconnus de nous, les rebelles à nos usages. Ils sont venus nombreux. Leur troupe est apparue à la ligne de partage des cèdres et du champ de la vieille moisson, désormais irrigué et vert. La longue marche les avait échauffés. Leurs casquettes cassées sur leurs yeux et leurs pieds fourbus se posaient dans le vague. Ils nous ont aperçus et se sont arrêtés. Visiblement, ils ne présumaient pas nous trouver là, sur des terres faciles et des sillons bien clos, tout à fait insouciants d'une audience. Nous avons levé le front et les avons encouragés. Le plus disert s'est approché, puis un second, tout aussi déraciné et lent. Nous sommes venus, dirent-ils, vous prévenir de l'arrivée prochaine de l'ouragan, de votre implacable adversaire. Pas plus que vous, nous ne le connaissons autrement que par des relations et des confidences d'ancêtres. Mais pourquoi sommes-nous heureux, incompréhensiblement, et soudain pareils à des enfants? Nous avons dit merci et les avons congédiés. Mais auparavant, ils ont bu, et leurs mains tremblaient, et leurs yeux riaient sur les bords. Hommes d'arbres et de cognées,
capable de tenir tête à quelques terreurs, mais inapte à conduire l'eau, à aligner des bâtisses, à les enduire de couleurs plaisantes, ils ignoreraient le jardin d'hiver et l'économie de la joie. Certes, nous aurions pu les convaincre et les conquérir, car l'angoisse de l'ouragan est émouvante. Oui, l'ouragan allait bientôt venir, mais cela valait-il la peine que l'on en parlât et qu'on dérangeât l'avenir? Là où nous sommes, il n'y a pas de crainte urgente. La poésie doit dire la vérité. Cette exigence ne tolère aucun flou entre l'objet et le nom qui lui est donné. Aucune séparation entre l'homme et l'acte exécuté. C'est ici que commence le travail du poète. Fonder un amour nouveau à partir d'êtres et d'objets jusqu'alors indifférents. La liberté n'est pas ce qu'on nous montre sous ce nom. Quand l'imagination, ni sotte, ni vile, n'a, la nuit tombée, qu'une parodie de fête devant elle, la liberté n'est pas de lui jeter n'importe quoi pour tout infecter. La liberté protège le silence, la parole et l'amour. Assombrie, elle les ravive. Elle ne les macule pas. Et la révolte la ressuscite à l'aurore. Si longue soit celle-ci à s'accuser. La liberté, c'est de dire la vérité avec des précautions terribles sur la route où tout se trouve. René Char a vécu la résistance. Le capitaine Alexandre, c'était lui, un combattant du maquis de Sérestes. En compagnie d'autres hommes, il a poursuivi sa recherche de vérité et de justice. Il a voulu être du bon, n'être pas du festin son épilogue. Mais le temps a passé. Le bon s'est fait, le festin également. Il reste des amis morts, des amis fusillés, des amis encore vivants. Trois départements. Et la région faisait six départements, je crois. Quel sort d'homme c'était dans le maquis? Lui? Oh, il était dur. Puis vous savez, il était ferme, bien long juste. Hein. Voilà, comme ça. Et j'ai jamais trouvé un chef de son genre. Hein. Il n'y a rien à faire. Parce que quand lui vous disait quelque chose, c'est que vraiment, il avait un motif. Et puis, je vous dis, il était précis. J'ai fait peut-être, je ne sais pas combien de missions pour lui. Mais c'était toujours vraiment... Ce qu'il disait, ça se réalisait. Et là, il y avait du goût à travailler dans ce genre, vous comprenez, mais quand on vous envoie à certains endroits et puis qu'il faut retourner bredouille, ça ne marche pas. Je remercie la chance qui a permis que les braconniers de Provence se battent dans notre camp, la mémoire sylvestre de ces primitifs, leur aptitude pour le calcul, leur flair aigu par tous les temps. Je serais surpris qu'une défaillance survînt de ce côté.
Je veillerai à ce qu'ils soient chaussés comme des dieux. Nous commençons toujours notre vie sur un crépuscule admirable. Tout ce qui nous aidera plus tard à nous dégager de nos déconvenues s'assemble autour de nos premiers pas. La conduite des hommes de mon enfance avait l'apparence d'un sourire du ciel adressé à la charité terrestre. On y saluait le mal comme une incartade du soir, le passage d'un météore attendrissait. Je me rends compte que l'enfant que je fus, prompt à s'éprendre comme à se blesser, a eu beaucoup de chance. J'ai marché sur le miroir d'une rivière pleine d'anneaux de couleuvres et de danses de papillons. J'ai joué dans des vergers dont la robuste vieillesse donnait des fruits. Je me suis tapi dans des roseaux sous la garde d'êtres forts comme des chênes et sensibles comme des oiseaux. Ce monde net est mort, sans laisser de charnier. Il n'est plus resté que souches calcinées, surfaces errantes, informes pugilats, et l'eau bleue d'un puits minuscule veillé par cet ami silencieux. Braque, lorsqu'il peignait à Sorgues en 1912, se plaisait après le travail à pousser une pointe jusqu'à Avignon. C'est sur les marches du fol escalier extérieur qui introduisent au palais des papes que toujours le déposait sa rêverie. Il s'asseyait à même la pierre et dévisageait en la convoitant la demeure qui n'était solennelle et au passé que pour d'autres que lui. Les murs nus des salles intérieures le fascinaient. Un tableau accroché là, s'il tient, pensait-il, est vérifié. Il attendit pour savoir l'année 1947, année au cours de laquelle ses œuvres y furent mises en évidence. Ce n'est pas simple de rester hissé sur la vague du courage quand on suit du regard quelque oiseau volant au déclin du jour. Merci d'être sans jamais te casser, Iris, ma fleur de gravité. Tu élèves au bord des eaux des affections miraculeuses. Tu ne pèses pas sur les mourants que tu veilles. Tu éteins des plaies sur lesquelles le temps n'a pas d'action. Tu ne conduis pas à une maison consternante. Tu permets que toutes les fenêtres reflétées ne fassent qu'un seul visage de passion. Tu accompagnes le retour du jour sur les vertes avenues libres. Il y a eu la résistance et les feuillets d'hypnose, cette réflexion sur un temps de lutte et de violence. 20 ans ont passé. La violence menace encore. Aujourd'hui, c'est la Provence à l'âge du point oméga.
ces terres déjà réservées, conquises par les fusées. Ce qui signifie silo, rampe de lancement, missile. Ces notes n'empruntent rien à l'amour de soi, à la nouvelle, à la maxime ou au roman. Un feu d'herbe sèche eût tout aussi bien été leur éditeur. La vue du sang supplicié en a fait une fois perdre le fil, a réduit à néant leur importance. Elles furent écrites dans la tension, la colère, la peur, l'émulation, le dégoût, la ruse, le recueillement furtif, l'illusion de l'avenir, l'amitié, l'amour. C'est dire combien elles sont affectées par l'événement, ensuite plus souvent survolées que relues. Je songe à cette armée de fuyards, aux appétits de dictature, que reverront peut-être au pouvoir dans cet oublieux pays ceux qui survivront à ce temps d'algèbre damné. Amer avenir, balle parmi les rosiers. Nous devons surmonter notre rage et notre dégoût. Nous devons les faire partager afin d'élever et d'élargir notre action comme notre morale. Imagination, mon enfant. La mémoire est sans action sur le souvenir. Le souvenir est sans force contre la mémoire. Le bonheur ne monte plus. Les yeux seuls sont encore capables de pousser un cri. Je vous prédis, missiles, dans un sol qui vous refuse, des éboulements sans remède. Joueurs de Cézanne, les cartes que le peintre mit dans votre main n'étaient point truquées. Le jeu exige à présent qu'elles le soient. Repoussez-les, barque de Van Gogh à l'horizon des Saintes, éloignez-vous du rivage. Avec leurs minutieux travaux atomiques, site après site ravagés, ils rétabliraient la mer à Apt. Tout finit par mourir, excepté la conscience qui témoigne pour la vie. René Char est né le 14 juin 1907 à Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse. La douleur est le dernier fruit, lui immortel, de la jeunesse. Je suis né comme le rocher avec mes blessures, sans guérir de ma jeunesse superstitieuse. À bout de fermeté limpide, j'entrais dans l'âge cassant. En l'état présent du monde, nous étirons une bougie de sang intacte au-dessus du réel et nous dormons hors du sommeil. Sur la poésie, la nuit accourt, l'éveil se brise, quand on s'exalte à l'exprimer,
Quelle que soit la longueur de sa longe, la poésie se blesse à nous et nous à ses fiants. Il advient que notre cœur soit comme chassé de notre corps et notre corps est comme mort. Se mettre en chemin sur ses deux pieds et jusqu'au soir le presser, le reconnaître, le bien traiter, ce chemin qui, en dépit de ses relais haineux, nous montre les fétus des souhaits exaucés et la terre croisée des oiseaux.